semaine, c'est tout ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament. Il a été découpé semaine par semaine toute l'année. Chaque semaine de l'année, tu étudies une partie de ce qu'on appelle la Torah. Donc aujourd'hui, on est dans la partie qui s'appelle Ekev. Voir si tu vas prendre là. Donc, tous les Juifs du monde entier vont lire ce texte-là. Voilà, on est dans l'île de Deutéronome. Donc, tous les Juifs, tous les Bnei Israël du monde entier savent que cette semaine, dans le calendrier juif, on est dans la portion de la Torah qui s'appelle Deutéronome. Mais dans Deutéronome, quel axe particulier? C'est l'histoire qu'on appelle Ekev. Pourquoi Ekev? Parce que c'est le premier mot en hébreu. Voilà. Après, maintenant, on va voir ce qu'il dit là-bas. Tu connais sûrement le texte, tu l'as étudié, mais on va voir ce qu'il dit là-bas. Donc, so we're going to see what he said about the Parashat Ekev of the week. And to see, basically, what the Midrash Tanhuma is giving to us in terms of details about this parashah. So the Midrash Dalit, I share my screen, and also you have the picture in your group, in the group. Midrash Dalit. It's a very small one. C'est vraiment un petit Midrash. Si vous voulez, j'ai un ici. I have one more, and I think Rabbi Nathan has one. Dalit. On va étudier un verset particulier. We're going to study a particular verse. Eight. Un texte, on les voit à chaque année. Ça verra. Donc, on est dans le livre. So let's go back. Donc, on est dans Sefer Devarim, one of the books of Devarim. Chet. Non. Quel chapitre m'a dit? Chet. So, tu peux lire? Because can you read for us? Benjamin. Vas-y. Toute la loi que je peux prendre aujourd'hui, c'est que je sois, je ferai soin de la couper, afin que vous vivez, que vous devenez nombreux, et que vous devenez à fond, et que vous venez prendre possession du pays que la chair a géré à présent. Que Hachem. Hachem. Le nom, ça veut dire on ne dit pas le nom de Dieu. Hachem a juré. Hachem a juré à vos anciens.
Tu te souviendras de tous les chemins que Hachem, ton Dieu, t'a fait parcourir dans la désert depuis 40 ans pour te faire souffrir et te trouver afin de savoir ce qu'il y a à ton cœur. Si tu garderas ces commandements, voilà, on va arrêter là. Deux parce que tout ce qui. First one is saying like this. He said, all the commandments which I command the thigh this day shall ye observe to do, that ye may live and multiply and go in and possess the land which Hashem swore unto your fathers. He said, and who shall remember all the way which Hashem, thy God, hath led thy these 40 years in the wilderness, that I might afflict thy, to prove thy, to know what was in thy heart, whatever, so sure wouldest keep his commandment or not. Donc il dit, tout l'objectif ici, c'est de savoir que on doit garder tous les préceptes, tous les commandements. Tous les préceptes que je vous ai imposés à ce jour, et sont de les suivre afin que vous viviez. Parce que quand on regarde les préceptes et les commandements, on vit. Et c'est basically all the mitzvot that I gave to you, you have to keep them. To keep them like this, you will be living. So this verse is very technical. Ce verset est très technique. Il n'est pas si simple que ça à comprendre. On va voir comment. Donc, premièrement, c'est quoi les préceptes? What are the precepts that Hashem gave to us? Here, it's called in Hebrew mitzvot. Donc il dit, he said like this, if you keep the mitzvot, precept, so forget about precept, oubliez le mot précept, gardez le mot mitzvot. If you keep the mitzvot, you will live. Tu vivras. And also, if you keep them, what happened? The land don't vomit you. Si tu les gardes aussi, c'est quoi? La terre ne te vomit pas. So it's written. C'est écrit. But how it works? Comment ça fonctionne? Let's see now what the Midrash Tanhuma is saying. Regardons maintenant ce que le Midrash Tanhuma est en train de dire. Il dit comme ça. C'est like this. Ça veut dire quoi? Kol a mitzvah asher anochi metzavecha. All the precepts that I'm teaching you, I'm telling you to keep. Toutes les mitzvot que je te dis maintenant de garder. Il dit, Zishyamar akatuv, Shmor mitzvotai vecheye. So say, you want to know what is the best way to understand this pasuk. Tu comprends, c'est quoi le meilleur point de comprendre ce pasuk? Il dit, va dans le livre de Michelet, les proverbes. Comprenons les proverbes, let's take the proverbs. Mishle Zayin. Chapitre 7. Proverbe chapitre 7. Proverbe chapitre 7. Let's try to find the pasuk. Darbi Shimon. It will be the pasuk bet. So, qu'est-ce qu'il dit en français? Donc, Proverbe chapitre 2, chapitre 7, verset 2. As they say in French, il dit, garde les préceptes pour que tu vives et que mon enseignement comme la prunelle de tes yeux. Donc, il dit, garde mes préceptes pour que tu vives et mon enseignement comme la prunelle de tes yeux. So, keep my precepts to be alive and my Torah like the pupil of your eyes. Donc il dit, les préceptes, c'est quoi? C'est les mitzvot. Il dit quoi Salomon? C'est lui qui a écrit le livre des proverbes. Le mot de proverbe, c'est keep the precept mitzvot and also my teachings. It's not teachings. It's Torati. Ma Torah. Et c'est tu gardes mes mitzvot et ma Torah
pour que tu vives, in order you survive. What is Torah? It's five books, c'est les cinq livres. Bereshit, qui est Genèse. Shemot, qui est Exode. Vaikra, qui est Lévitique. Bamidbar, qui est Nombre. Devarim, qui est Deutéronome. Ça, c'est Torati. Mais c'est Torati. Il y a cinq livres, five books in Torati. In Torati, we have five books. In the precepts, dans les préceptes de mitzvot, we have 630. La 613. They say, the combination of both of them will bring you to be alive. Et la combinaison des deux va t'amener d'être en vie. Alors, on ne demande pas encore comment. But you see what the difference? In the five books, dans le Deutéronome là-bas, when we were in the Devarim there, we just saw, keep my mitzvot. And you will be survived, you will be living. We just saw, on a juste vu les préceptes dans le Deutéronome. Ça, c'est la Torah écrite. This is the Torah written. But to understand the Torah written, we need the Torah Shebel, la Torah orale. C'est qui nous transmet de maître à élève. This one which is given from master to student. In the Torah oral, which is basically also the Mishlei, because it's Tana, c'est ce qui est venu après, c'est les Nevim Ktuvim, c'est les prophètes et les hagiographes. He said, no, it's not only the precept, it's also the Torah. The combination of both, c'est la combinaison des deux qui te permet d'être en vie. Let's give the fact of the person to be alive. So let's go back in the text of Midrash Tanhuma. He said, Mishle, Proverbe dit ça. Mishle was saying that. Shechiyeh. Le fils de David Amar, Shamreni, Keishon Bat Ayin. He said, you want to understand what Shlomo said? He said, keep the Torah. Je comprends ce que Shlomo a dit. Il dit, garde la Torah comme la prunelle de tes yeux. Like the pupil of your eyes. Okay. He said, now go in Tehilim. So let's take Tehilim. On prend le proverbe. On prend les psaumes. Tehilim Yud Zayin. He said, what Shlomo said, he received it from his father. Ce que Shlomo a dit, il a reçu de son père. So let's see. Tehilim. Psaume 17. Tehilim 17. Which pasuk? Let's try to find it. Bat Ayin. D'accord? Rabbi Shimon. Donc, Tehilim 17, Psaume 17, pasuk 8. Il dit quoi là-bas? What's he saying? Soudain la terre est-il. Non, chapitre 17, verset 8. Garde-moi comme la prunelle de Dieu, abrite-moi à l'ombre de tes ailes. Donc il dit, he said, you want to understand what David Amelar is saying about keep me as the apple of the eyes, hide me in the shadow of thy wings. You want to understand what it means? Tu veux savoir ce que dit ce Tehilim là? You need the Proverbs. Tu as besoin du passage des Proverbes qui va t'amener à ce qu'on a vu dans les Deutéronomes. Which will bring you to what we saw in the Devarim. So now let's continue. On continue. Ready? C'est Amar Rabbi Yehuda. De Sirknin, Beshem Rabbi Eliezer. Rabbi Yehuda de Sirknin, il a dit au nom de Rabbi Eliezer. Rabbi Yehuda of Sirknin a said in the name of Rabbi Eliezer. En bet rova, she en bo tishak abim mazikim. Il dit, il n'y a pas de maison rova. Je ne sais pas c'est quoi rova. I don't know what is rova. There is no house rova where you will not have nine measurements of demons. Il n'y a pas une maison Rova où tu n'aurais pas neuf quantités
The demon. What does it mean? Ça veut dire quoi? Le démon, oui. À chaque maison, il y a 9 quantités de démons. Je ne sais pas si c'est chaque maison. Il y a un mot que je veux qu'on trouve. C'est quoi, Rova? Rova, c'est... Ça, c'est Reva. Rova. Il y a une Rova, on est dans la Rova, non? What does it mean, Rova? Hein? Ça, c'est, oh, carré, c'est Ribourg. Est-ce que vous comprenez? Do you understand? Je dis comme ça, c'est la glisse. En bet rova chez en botisha kabin shel mazikim. There is no house in a neighborhood where you don't have 9 cabin. 9 cabin, it's like 9 liters, let's say, 12 liters. Where it's taken by liters of demon. Il n'y a pas une maison qui est dans un voisinage où il n'y a pas cette quantité-là de démons. What the connection? C'est quoi Tisha Kabin? C'est les lois de Mikvé. It's the word of the laws of Mikvé. If you pour on you 9 cabines of water, you did Mikvé. Si tu verses sur toi 9 cabines d'eau, tu as fait un Mikvé. What the connection? C'est quoi? Pourquoi tu me parles de démons alors qu'on était juste en train de Torah, mitzvot et de vie? Why we are just talking about Torah, mitzvot and life? What is doing? What's he doing? Zed. Vas-y, Kim. Amar Rabbi Yehoshua ben Levi, Bekulam pour Ma'a, Befiem. And he said, and all of them, they are built from their mouth. Et tous ces démons-là, ils sont construits depuis leur bouche. Ketsad, comment? How? Adam, Metal Air, Vachavero, Yatsa, Lefana, Veomer. Istaklu, Istadim, Bifne, Ikunin, Shel, Akrejbor, Kushnema, Ar, Betzel, Italar, Ish. And he finished. And I finished. He did go up. What did he say? He said, it's like this. He said, it's like a man who is on his way. C'est comme un homme qui est sur son chemin. Mais Javero yata lefanav. Et son ami est sorti devant lui. Be Omer. Et il dit, Istalku, regardez, look. Les tzadim, on the side, sur les côtés. Bifne, ikunin, shel akadosh baruch hu, shenemar, ar, betzel, italer, ish. He said, if basically you look, you are in a neighborhood, tu es dans un quartier. Someone is walking in front of you. Un marche devant toi. By looking at him, you can know if he is alone or if he is full of demons. How? By looking at the tzel. The tzel. Comment? En regardant sur l'ombre de la personne, ce qu'on appelle fait à l'image de Dieu, ce n'est pas l'image de cette tzel. Et tu vas voir si c'est un démon ou pas. Et il finit. Le midrash, il est fini. What did you understand? On a compris. Ça fait 6 lignes de mal de tête. Il y a un problème de ne pas garder si on garde les mitzvahs, on va être en paix. Si on garde la Torah aussi, il y a deux Torahs.
martyrs et chaque bataillon. On doit les garder là, comme les coupés de nos yeux. Sinon, c'est un peu ça. Mais sinon, Donc, qu'est-ce que tu comprends pas? Les chiens sont c'est une conséquence de ne pas regarder. Mais le fait qu'ils soient qu'ils se collent comme ça plus, c'est des chrétiens, parce qu'ils ne perdent pas la Torah. Bestia. On ne sait pas comment. On ne sait pas comment ils passent de l'un à l'autre. Là, ils move from one to the other. Comment ils construisent ça? C'est un Abishai. En fait, Mais il faudrait que le logical input est, en suivant la logique qu'il met là, il y a le rapport. Tu parles qu'il faut garder la Torah, les mitzvot pour vivre. Et donc, on parle de keeping the mitzvot to survive. Après, tu jumps, tu dis non, ce n'est pas que les mitzvot, c'est les mitzvot et la Torah. Après, you jump, tu dis non, c'est les mitzvot, c'est toujours la Torah. OK. After you jump again, you know, in every neighborhood, you have a quantity of demons. Dans chaque quartier, tu as une quantité de démons. Alors, vous savez, just walk in the street, marche dans la rue, regarde les gens, regarde leur image. Quand vous voyez Ikunin, c'est quelqu'un qui a l'image de Dieu. Ikunin, c'est comme ça donnait le mot icône. Icône, c'est une image. Et c'est quelqu'un qui a l'image de Dieu. Someone who is in the image of God, you will see it. Tu le verras. Someone who is not, you will also see it. How? Looking at the célèbre. Regarde l'ombre. What the connection? C'est quoi le lien entre tout ça? Ce que peut-être on peut dire, c'est que après, il nous dit que Yeshua ben Levi dit Kulan Chokma Bishneim. Ça sort de leur bouche. Apparemment, c'est comme s'il y a une manière de faire un Torah, ce qui n'est pas une bonne manière qui amène des bonnes. C'est sort de leur bouche. Alors, j'ai mal traduit, pas Pneim, c'est leur visage. Pas Pneim. Pneim, leur visage. Kulan Chokma Bishneim. Les Chinois, ils sortent du village des gens. Parce que c'est là-bas qu'on voit le sel. Hein, ce qu'on a vu hier dans le Shabbat. Alors, ça veut dire quoi, Coco? Tu comprends quoi dans les mines, all this? Oui. Quand on parle de mine, parce que quand toi, tu dois regarder le mitzvot comme le tunnel, parce que c'est quelque chose de plus précieuse. Si tu ne fais pas attention, ça va détruire tout. Il faut vraiment bien protéger. Parce que quand on touche ici, c'est tout est gâté. Donc tu as tout intérêt de bien protéger les mishpot et la Torah pour que ta voyance bien pour que tu ne puisses pas gâter. C'est très bien ce que tu dis. Comme tu dis, comme Rabbi Shimon, ça tient. C'est ce qui ressort. It's holding what you, it's telling what you say. Je pose deux questions. Toi, tu es en train de dans un processus d'acquisition d'information. Ça, c'est écrit dans un livre que tout juif a accès. Et c'est que qu'est-ce qui fait que quelqu'un n'est pas démoniaque? C'est quoi? Torah et les mitzvot. Et quand tu parles de Torah et Mitzvot, ils savent comment ça s'applique. Donc, quand tu viens lui parler à un juif, tu dis, voici une personne. Et tu lui dis, ah, il te dit, ah, il est juif ou il n'est pas juif? C'est ça la première question. Pourquoi il demande ça? Si, mais il y a le principe de Torah et Mitzvot. Mais pourquoi il demande ça? Ouais, voilà, c'est un outil de fait. De quoi? Que c'est quoi? Et c'est. Non, vas-y. Il cherche juste la certitude de savoir, de comprendre si réellement ah.
si la personne est un démon ou pas. Ah. Si tu n'es pas juif, tu es démon. Si tu ne gardes pas, pas dit ça. Si tu ne gardes pas la Torah, les mitzvot, tu peux être né juif. Ça fait un peu là 8 jours. Et tu prends ta kippa, tu jettes là-bas. Tu manges le cochon, tu vas dehors. C'est un démon. Il y a une différence entre ce que toi tu dis et ce que je dis. Oui. Quelqu'un qui ne garde pas la Torah, les mitzvot, pour les sages, c'est un démon. Imagine maintenant, tu viens dans ce pays, tu dis, moi je ne garde pas ta Torah, je ne garde pas tes mitzvot, je vis comme je veux. Regardez, un démon, tu vas faire quoi? Ceux qui ils ont comme ça, mais ta distance, ils ne serrent pas la main, c'est ce qu'ils font comme ça. Mais bon, ça, c'est écrit. Ça, c'est des choses à savoir. Ça, dans quel pays tu es. Things to know where the country you are living. When you are not keeping Torah mitzvot, it's not because you're a bad person. No. You are or in the area of Gusha, tu es soit dans l'air de la sainteté, soit de l'autre côté. Donc, comment tu distingues ça? Bah, quelqu'un garde la Torah et les mitzvot. Donc, quand quelqu'un dit non, j'ai pas besoin de garder tes lois, tu dis, mais tu sais de quoi tu parles? Donc, quelqu'un vient et dit non, il n'y a plus de loi, tout est la grâce. Ah bon? Pour beaucoup de sages, tu as créé des milliards de démons. Tu vois? Ça, c'est la réalité du pays où tu vis. Ça fait mal, hein? Maintenant, c'est bon. So, people don't understand. You are in a country where when you come, you say, there's no more laws. It's all about grace. Ah, there's no mitzvot. Ah, so you are a factory of demons. You create demons. There's no mitzvot. So let me prove to you what he's saying. You can understand what he means here. Take. Écoutez Torah. Venez d'écouter Torah. Et il dit quoi là-bas? Very small. Il dit, qui alcool, motipi, Hachem, Yiriya Adam. Ben, c'est sur tout ce qui sort de la bouche de Dieu que l'homme vivra. It's on everything that comes out from the mouth of Hashem that the man will live. Resh mem vav. Alors ça veut dire quoi? It's Arakadosh. It's Arakadosh. I'm going to start straight. Be ready. On va commencer directement. And this will be the expression, the explanation, sorry, of that midrash. Et ça va être l'explication de ce midrash là. Ine, inyan hachashmal. Il dit, you know what's the chashmal? Tu sais quoi le chashmal? C'est quoi le chashmal? Oui, mais c'est quoi? Je suis d'accord. Mais c'est quoi le Khashmal? What is the Khashmal? Ah, Toda! Le Khashmal, c'est l'âme. C'est ce qui habille l'âme. Donc, quand tu vois quelqu'un qui a une âme, il y a une zone électrique autour. On appelle le Khashmal. There's an electric zone around its soul, it's called the Khashmal. Ready? Il y a un Khashmal. Il y a un Khashmal. Da. Ki bet makifim em al rosh za. You have to know that you have 2 makifim on the head of za. C'est qui za? C'est za rampin. C'est le vav de Yudke Vavke. C'est quoi Yudke Vavke, Coco? C'est le nom de Dieu. Shalom, shalom, rabbani Tanava. Shalom, shalom, rabbani Tanava. Tu vois, quand vous trouvez dans le fromage par exemple, c'est qui est ou bien dans le fromage, comment c'est traduit par exemple?
au début de la paracha. Vaï d'Aber, toujours ça commence par la mer. Tu vois ça? Comment ils l'ont traduit en français? Oh, they translated in French. Ça sert à en quelque sorte ce que c'est que vous avez en fait. C'est écrit et que vous avez et les accomplir Hachem. Voilà. Quand tu dis Hachem, ça veut dire le nom. Ma Hachem Shelcha. C'est quoi ton nom? Donc pourquoi? Parce que ça, c'est le nom de Dieu qu'on ne prononce pas. Yudke Vavke, tu vois, c'est écrit là-bas. Yudke Vavke, ton nom Hachem. Donc voilà ça, il se passe quoi? Il dit, sache que dans ce nom-là, il y a des codes très très profonds. C'est-à-dire des big codes. Chacun représente une qualité d'entité. Cette qualité d'entité, les chrétiens l'ont volée. Je t'explique comment. Il te dit, tu dois faire le signe de croix. Hein? Ouais, les chrétiens. Comment tu fais le signe de croix? Ils disent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Après, ils disent Amen. Quatre directions. Pourquoi ils font ça? Par rapport à ça. When the Christian will say, you have to make the sign of the cross on you. Why? Because they take it here. They create the Trinity from a misunderstanding of that. Ils ont quatre trinités sur ça. Je dis que c'est les catholiques qui font ça. Les protestants aussi, vous dites ça. Les protestants aussi, vous savez. Vous savez, il y a le Père, le Saint-Esprit et son Fils. Hein? D'où ça vient? Where it come from? Ça vient d'ici. Je t'explique comment? Nos sages te disent que lui, il s'appelle Abba. Lui, c'est le Père. Elle, c'est Ima, c'est la mère. Et lui, c'est le Fils. The Son. Za. And here is the daughter. On l'avait tout ça avant. Mais quand c'est volé et que tu ne comprends pas, tu finis à faire des idolâtries. Comment? Regarde. Je dis, tu vois ça? Quand tu comprends ça? Sache que c'est la cellule familiale de base, là-haut. C'est the basic family structure. Why? This is your father, c'est ton père. This is your mother. This is you. And this is your wife to be. Ce sera ta femme. Là-haut. C'est pour ça que je veux épouser quelqu'un qui est de ta famille ici. That's why I cannot marry someone who is from family here. Why? Because all these four, dans ces quatre-là, eux, ils ne peuvent jamais naître dans la même famille en bas. These two can never be born in the same family downstairs. Doesn't that we know that your wife will never be from your family? Because you come from the upper family, mais la famille d'en haut. Donc il dit, lui, who is he? It's you. It's me, it's him. C'est qui, lui, le va? C'est toi, c'est moi, c'est lui. Donc, première erreur qu'un juif peut jamais accepter, c'est de dire qu'un, il est plus le fils de Dieu que d'autres. First thing that a Jew can never accept is to say that one is more the son of God than the other. We are whole. Same level. There is no family. We love all the single creation at the same level. Because he's not a man to be unfair. Il aime toutes ses créatures de la même manière. Il n'est pas un homme pour être injuste. Quand tu commences à dire, I love him more than him, it's only a man can do that. Not God. Donc quand on parle de lui, when we talk about him, the son, it's you, it's me, it's every single man who decides to keep mitzvot and Torah. C'est chaque homme qui décide de garder les mitzvot et la Torah. C'est Luke. Et c'est lui, cet homme-là, this man, who decide to keep Torah and Mitzvot, qui a décidé de garder Torah et Mitzvot, il a deux énergies protecteurs au-dessus de ta tête. Possess two protection up in his head. Voilà ce qu'il dit. Il y a deux lumières encerclantes, there's two surrounding light up in the head of Zah, sur la tête de Zah. V'em, Lamed Mem Betzelem. Et c'est quoi? C'est le Lamed and the man of the word Tselem. C'est quoi Tselem? Ce qu'on dit, il a été fait à l'image de Dieu.
c'est pas d'image. Le tselem et Elohim Baraoto, c'est quoi le tselem? C'est trois réalités spirituelles qui s'incarnent, une à l'intérieur de toi et deux au-dessus de ta tête. L'homme ne ressemble pas à Dieu. Un homme qui est né de chair et de sang ne peut pas ressembler à Dieu. Aucune femme ne met un enfant au monde sans avoir été engrossée. Ça n'existe pas. Si on vous fait croire ça, pour dire, attends, non, il y a tout qui est faux. Toute femme qui met un enfant au monde a eu un enfant. Même si la première femme de l'humanité, c'était qui? Ève. Ève a été engrossée. Alors, comment ça se fait que des milliards d'années plus tard, quelqu'un qui n'est pas au début de la création, lui, il est comme ça? Au moins, ça aurait pu commencer avec eux, parce que eux, c'était des gens qui étaient créés, il n'y avait pas de parents. C'est qui les parents de Ève? C'est Dieu. Les parents de Adam, c'est Dieu. Pourquoi tu ne crées pas Adam alors? Lui, au moins, il a été créé de nulle part. À partir du moment où quelqu'un il a une mère, from the moment that someone has a mother, it's done. A man did the work. Un homme a fait le travail. Tout le reste, pour nous, quand on étudie sans jugement, mais pour essayer de comprendre l'intelligence, c'est de la superstition. On veut faire croire aux gens des choses incroyables. Mais la superstition et les choses incroyables ne doivent jamais défier la logique. Parce que toute la force d'un vrai sage, c'est de te faire comprendre que ce qui te paraît le plus extraordinaire, ça s'explique. Because the source of the real sage is to know that if everything which is miracle can be explained. So a woman who is pregnant, it's done by itself. Oh. So if it's done by itself once, for sure it's have been done twice. Il n'y a pas une chose qui se passe qu'une seule fois dans la vie. C'est une logique scientifique. Quand une chose se passe, when something happens, sense it will be repeating. So we may have many kids say, I have no father. My mama wasn't pregnant like that. Where are they? So, so see, je dis sur le pogo, tu as mal au ventre. Désolé, mais c'est comme ça. Attends, you look, it's like this. What's he did? V'em za'in b'mispar katan. So, c'est quoi l'amen-même? What is l'amen-même? It's seven, right? Parce que l'amen, c'est 30 en valeur numérique, même c'est 40. Quand je prends que le 4 et le 3, ça fait 7. Donc le 7, the 7 is what is up in my head. Le 7, c'est ce qui est au-dessus de ma tête. V'em, sod, zayn makifim, vers le 7, c'est l'ordi light, c'est les 7 lumières qui encerclent. Kacher, azam et kabel, mizan makifim et elu, azim, charlo, triyud, gadol. C'est when you and me, we do Torah, how do we receive life? By receiving the 7 surrounding light. Ah, là, ça peut être. Donc, quand tu fais la Torah et les mitzvot, comment tu reçois la vie? C'est pas. Non, mais Dieu va t'aimer, tu seras en vie. Non, laisse ça, explique-moi. Il dit, c'est ça. Il dit, quand quelqu'un, il fait les préceptes, les lois, les mitzvot, à partir du moment où il les observe, il y a 7 lumières encerclantes qui vont descendre sur lui. Et c'est ça qui fait que tu es en vie. Donc, tu as quoi? Tu as le lamed même. Donc, il y a qui fait les mitzvot, qui fait la Torah, qu'est-ce qu'il fait? Il se construit l'amen même. Hein, tu vas voir des vrais mysticiens, des vrais cocos là-bas au village. Je dis, coco, tu vois quoi sur sa tête? Elle a dit, on a sept mouines. Ah, où t'as wapi? Ça vient d'ici. Tu parles à l'ancien du village, talk to the head of the village. Say, elder, what do you see on the head of this man? I see light. With light, I see seven lights. What do you see? I see. It's come from here. Go ask to the elders. Va demander aux anciens. Après, il dit, the em nimshalo chayut gadol, and this giving to him life. So what is life? C'est quoi la vie? Tu vois le mot makifim? You see the word makifim? Ça veut dire on s'est surrounding. This is a shield. So what is to be alive is to be protected. C'est quoi être en vie, c'est être protégé. Donc qu'est-ce qui te permet de construire ta protection? Les mitzvot et la Torah. What gives you the possibility to build your protection? Mitzvot et Torah.
Mais Allah Neymar, Boyhie Adam, Uzay, c'est, that's why it's written, the man will live from them. What is that is the man? It's him, Za, it's the Vav, it's you, it's me. C'est qui ça? C'est toi, moi, c'est le Vav, c'est le Za. On va vivre par ça. Shema, Gematria, Adam, because Za, it's ma, parce que Za, Shema, people know. Veinian, what is the topic? C'est quoi ce sujet là? Explique-moi encore plus en détail, c'est pas ce que tu m'as dit. Give me more details, because it's not enough. Kizain makifi maniskarim, la'il, em betotiot mal. So the two makifim, the two surrounding like les deux lumières qui encerclent, qui sont en fait divisées comme ça. Si je te fais la tête, if I made you, si je te fais toi, Coco, ça c'est toi, hein? Inside of you, à l'intérieur de toi, tu as le tzadik, du mot tselem. Ça, ça fait tss. And after, tu as le lamed. Lamed, on a dit, ça fait quoi? C'est 30. Mais ça fait 3. Que je prends que le petit nombre, le premier nombre. Donc, tu as, you have a first level of protection. Après, tu as même, c'est 40, c'est le 4. Donc, voilà ta protection. Here is how you are. This is the mem. Ça, c'est le mem final. This is the lamed. C'est le. Ça, c'est ce qu'il y a sur toute personne qui garde la Torah limite. Ça va dire, I want to keep Torah limite. But what is Sarah Skidi? So what is really the Zayn Makifim? C'est quoi, c'est cette protection? C'est en fait deux lettres. It's two letters. C'est même lamed. C'est même la mettre. Ote le mar. Ote le mar. Dibour. Que chamour azal. Par maim chachou. Par amim chachou. Par même. Mais même la lot. Qui. Et kabbalat za arat. Zan makifim. En skalarit. Che em mal. Et tselem. Az ou. Mais malel ou medaber. Ça y est. C'est quoi ces deux choses là? C'est. Le parler. Le speech and le hallel, la louange. Ah, tu veux un exemple? Il faut pas les églises. What does the church? Before you start the pastor's speech, avant que le pasteur ait fait son speech, il s'est fait louange, 1 hour. Hey, why? Parce que quand tu fais ça, tu réveilles une spiritualité. You wake up spirituality. Et c'est, look, this is the way you create a protection. C'est la manière dont tu crées une protection. When the man possesses the lamed man, pendant qu'il possède le lamed man, what does he do? He speak and he sing. Il prêche, il ouvre. Pas il prêche, il parle. Parler aussi, c'est le prêcheur, on parle. Ça, c'est des très grands sages. En général, les gens qui prêchent, ce n'est pas comme ils parlent. Quand ils parlent, ils parlent. Prêche, il écrit les discours, il fait les trucs. Parler, pendant que tu parles, tu prêches, ou tu es en train de faire des sagesses, c'est un niveau très élevé. C'est-à-dire que chaque mot de ta bouche qui sort, il n'y a pas un mot qui est inutile. Il n'y a pas une décision inutile. Tu préserves tellement ta bouche que... Donc, il dit, what are the seven lights? Le 3 et le 4, c'est quoi cette lumière, le 3 et le 4? C'est d'abord le dibour. Speech, here. Là, c'est le dibour. Ça doit aller les airs de dibour. Le dibour. And here, c'est de aller the praise. La louange. Yes. So what is your protection? Talking and praising. C'est quoi ta protection? C'est parler et chanter. Who took this ID from Raya Kadosh? Qui a pris cette ID de Raya Kadosh? Le Preston. Let's say you go eat bonnet d'août. Ils vont faire eat bonnet d'août dans la forêt. Hashem, I love you. Keep it. I don't know what's happening. Hashem, what do you do? Qu'est-ce que tu fais là-bas dans la forêt?
Tu construis le lament, you build the lament, and after one day and they have to sing. Why? You build the man. So there's no chidouche. Il n'y a pas de chidouche, we knew it. Si nous, on veut aller très vite pour juste pour ce qui se peut dire que les 7 c'est les 7. Après, si on veut. That's it. But in 5 minutes, I cannot give to you all the Torah of Kessler on 10 lines. And you have 8 books. Ah ben, donc, si je comprends bien, donc le 7 Tselem là, c'est résumé par parler et puis louange. Pas le 7 Tselem, le 7 lame de Tselem. 7 lames de Tselem. Voilà. Oui. C'est pas c'est résumé par ça. Ça s'incarne comme ça. Meaning, ça veut dire quoi? Si je ne suis pas quelqu'un qui garde la Torah et les mitzvot, if I'm not someone who keeps Torah and mitzvot, when I start to speak, quand je commence à parler, and I start to sing, et je commence à chanter, am I really doing this? Est-ce que je fais réellement ça? Je n'ai pas la Torah et mitzvot. Je vais t'aider. The answer is no. La réponse est non. Why? On dit la vérité, hein? Let's see the truth. You are in the church, à l'église. Dimanche, 9h. Sunday, 9. You have to do the praise. Start to pray. Let's see. The pastor is here. He's checking. Who is dancing not properly? Il regarde qui danse pas bien, hein? And you see that mom, stop. What is that? You are afraid that something will be wrong. T'as peur que quelque chose ne soit pas bon. Parce que ça va déborder. People at the end will think that we're in a nightclub. À la fin, ils vont penser qu'ils sont à la boîte de nuit. And every time what are you, pastor, doing, we are trying to say after the session, you have to see that ma. Ma, please. Next time, put something not so tight. Something more. Ça va, l'église. Ça va, maman, la prochaine fois, il y a un truc un peu plus. Oh. Ça bouge trop. You see? Why? Because it's not based on the Torah and mitzvot. Parce que c'est pas basé sur la Torah et mitzvot. Si c'était basé sur dessus, tu ferais quoi? Tu ferais 2 salles. Une salle pour les femmes, une salle pour les hommes. Tu sais pas, because if it was based on the Torah and mitzvot, we make 2 rooms, one for the woman and one for the men. If it was based on the Torah and mitzvot, you will say, "Women, you don't sing." Tu dirais, les femmes, vous chantez pas. Only men sings. Et quand les hommes chantent, ils sont que du côté des hommes. And when men sing, they're on the other side of the on the men. You see, it's another story. Coucou, it's hurting. Donc, on ne peut pas mélanger les femmes et les hommes. Maintenant, qui prêche, en fait, qui enseigne les femmes? Ce n'est pas un homme ou bien c'est... C'est un homme, c'est un homme, il peut enseigner, mais les enseignants, quand ils enseignent, il y a des règles. S'il enseigne, il faut qu'il y ait des hommes avec lui qui ne soient jamais seuls. Ce qui crée une connexion. Et elles vont tomber amoureuses. C'est naturel, ça, c'est notre sage qui peut dire. A sage tells us, a man cannot teach a woman alone, because they will start to have feeling for him. On va commencer à avoir des sentiments pour lui. C'est que les femmes ne sont pas démurées. Non, c'est parce que l'homme n'est pas intelligent. Pourquoi tu comptes sur la faiblesse de l'autre? Toi, fais ce qu'il faut. Si je dis ça parce que l'autre fois qu'on a parlé du vin, il dit quand, je vous donne un exemple. D'autres personnes, quand ils boivent du vin, et puis ça lui pousse à faire des histoires un peu bizarres. Il m'avait dit parce que l'homme n'est pas délivré. Mais parce qu'il n'a pas ça. Et maintenant, je parle maintenant pour les femmes. Mm. Si la femme est l'enseignant qui est homme, il enseigne, et qu'il tombe, elle tombe amoureuse de l'enseignant, c'est que la femme n'est pas... Non, parce qu'on n'a pas la même exigence chez la femme que chez l'homme. On sait que les femmes, elles sont sentimentales. Elles sont un peu plus fragiles, plus sensibles. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On doit nous les protéger. On dit pas, on traite pas la défense d'un homme au même niveau que la défense d'une femme. La défense d'une femme, on est très sévère à partir du moment où elle est mariée. Mais tout ce qui est avant, on sait qu'elle a cette faiblesse-là. Elle va être attendrie facilement.
Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout pour éviter que ça lui arrive. Donc, on met des barrières. Ça, c'est la Torah. Tu sais que les femmes, c'est comme ça. Si tu penses que les femmes, non, je vais, if you think that, non, I will deliver the women. Je vais délivrer les femmes. I will be fort. I will be strong. OK. Délivre les fées, trois nuits, jour à sec. OK. Amène-les dans ta salle, la fée, deux heures de cours. On va voir si elles sont délivrées. Que la fille fait un deliver. Après, il disait, le pasteur, il a engrossé un tel, engrossé un tel. Comment ça commence? Ça a commencé les entretiens personnels. Ah, viens maintenant, on va parler de toi un peu plus. On connaît, oui, non. C'est reality. This pastor, make impregnant this girl, I stop. Come, we're gonna talk. Oui. Yes. Ah ben, si le pasteur tombé, c'est que le pasteur ne s'est pas délivré. Merci. La solution de pasteur est délivré. Il peut faire face aux femmes, mais pour le sang, pour autant tomber. Un pasteur, comme tu dis, délivré, moi j'appelle ça un chef, un leader spirituel qui a fait teshuva. Il sait qu'il y a des situations dans lesquelles il ne peut pas se mettre. Première situation que la Torah dit, première situation de la Torah 7, ne touche pas les femmes qui ne sont pas, qui n'est pas ta femme ou ta fille. Don't touch women. Là, le pasteur, il vient, le pasteur arrive in the morning. Ah, ma soeur. Qu'est-ce que tu fais? Nous, qu'est-ce qu'on fait? Tu ne touches pas. You don't touch. Tu ne serres pas la main. Some pastor may want to say that they are holy. You check the hands. When I used to go to church, we had like a community church. Yeah. And that happened. The main pastor would always touch women. Yeah. You know, and eventually I had to leave that church. But afterwards, it broke up because he went off with somebody else's wife, left his own wife, and the church was devastated because they couldn't understand. They were waiting for him to come back. When people said, "No, he's not going to come back." Yeah, you're right. Because we have a very important pastor with us today. So we are discussing. The mood is open. Yeah. You have to talk the truth. Yeah. But let's go back. For that, I need to enjoy it. So he said like this. He did come, sir. Let me put back the text. We almost finished. Not as fini. He said like this. Yeah. So he will start to do Hallel and he will start to speech. Il va parler à faire le Hallel. So from here, the person they create what it body does and the sheer. After he say, Ve'az u me'alel be'medaber ve'yotze ha'evel makif nipi. So now when you start to sing and to speech, quand tu commences à chanter, à parler, all the seven makifim, they start to go out from your mouth. That's why I made the mistake when we read the Midrash Tanhuma. I say from their mouth. No, I go slowly from the face. But actually from the mouth. Because when you start now to do your itbodedut, that itbodedut, and tu commences à chanter, you are basically making physical that seven lights. En commençant à faire ça, tu fais la Torah, tu as fait tes mitzvot, d'un coup, tu as des paroles douces. You have very good speech. Et tu as des chansons profondes and songs that are very deep. You start to incarnate. Tu commences à formuler, à former these seven lights. They become physical. Ils deviennent physiques. Après, il dit, « Vezé sod ki lo al alechem yichye adam, she uza, she ma ki minyan adam, ki al kol amotemi pi adonai. » This is the secret of the pasuk. It's not only on what goes inside of your mouth that you live, but from what comes out from the mouth of Hashem. What is that? Torah. So what comes out from your mouth as Za, this is because Za will give you the seven makifim. You will do it and you will receive them. So with your life. So these seven makifim give to you life. More than food can give to you.
Donc ces sept makifim-là, quand tu commences à les incarner, ça te fait vivre, plus que la nourriture peut te faire vivre. C'est ça qu'on dit que tu vivras pas seulement de ce qui rentre dans ta bouche, mais de ce qui sort aussi. That's why I say, you not only from what comes out from your, what comes in your heart, but from what comes out from. He said, really here, your life is depending. Sur ça, ta vie dépend. This is the secret of Evel Avalim. What people, how people translate, comment je vais les traduire? Vanité des vanités. People translate that vanity, you say? Yeah, vanity. Vanity. It's not this. We talk about that makif of makif. But quand Shlomo Amelar, il parle, mais je dis, vanité, tout est vanité. Yeah. It's a vanity of his vanity. The pastor start the speech. Quoi, ça va être le speech? La vie vaut rien! The life is nothing! What say the Catholics? Be poor! Life is nothing! Why? Because you see, vanity of vanity. No, we talk about evil of evil. Talking about protection of protection. Life is important. You have to protect it and to live good life. C'est le contraire. Quand tu dis c'est quoi le mot vanité, ça a été mal traduit, tu repars dans la racine, tu dis non. Le mot vanité, en hébreu, ça se dit evel. Mais le evel, ce n'est pas vanité. Le evel, c'est cette protection-là que tu construis. Donc, protection des protections, la vie est importante. Sois en vie. C'est un exemple simple de pourquoi il ne faut pas lire une Torah traduite. C'est ça qui est. Comment ils appellent ? Le prêtre. Nous emmener en Afrique, aider les pauvres. Et pendant qu'ils disent aider les pauvres, ils prennent tous les diamants et tout ça. Ça pour rester pauvre et tout ça. C'est ça. Les prêtres. C'est ça. Lui, il s'en riche. Pauvre. Là, il donne l'image en portant des sandales un peu bizarres. Comme si il disait, mais il a beaucoup d'argent. Oui, oui. Il a beaucoup d'argent. Donc après, il finit. Just by the way, an example. I was looking for a bank to open a bank account for the party in Congo. Chercher un bon programme banque pour le parti. So there's not a lot of bank. Il y a pas de beaucoup de banques sérieuses. So I asked, what is the most serious bank? C'est quoi la banque la plus sérieuse? He said, no, there's a bank. Il y a une banque. It's not really a bank. C'est pas vraiment une banque. Attends, what is that story? C'est quoi cette histoire? He said, now you see the Catholic Church, l'Église catholique, ils ont une banque à eux. They are bank, they are own bank. What is that? He said, no, you see, it's not a bank, but they give you a bank account. So, what is that? He said, it's in a system, and you have to go inside of a diocese, inside of their courts. They have organized there, you put to. What is the thing? You are in the church, you enter, you say, to open that bank account, you have to go to the church, to the église, there's church, you enter, tu rentres là-bas, there's an office, and they keep your money. They can make you loan also. I say, it's a bank or not? I say, no, it's not a bank, it's the best bank. C'est quoi ce truc? Vatican, they are one of the biggest bank in the world. Yeah. So you finish. Evel Avalim. This is the Evel Avalim. This is the vanity of vanity that Shlomo is talking. It's not vanity. It's whisper. What's that whisper? It's when you speak and when you sing. Three times when you speak and four times when you sing. C'est quoi? C'est pas vanité. La vanité, c'est souffle des souffles. Pourquoi ce souffle-là? C'est trois souffles quand tu parles, quatre quand tu chantes. That's why you see when people are very strong in their spirituality, quand les gens sont moins forts en spiritualité, they sink. They don't say, no, it's going to be good, it's going to be there.
Yes, it's a good level. But if really you're strong, you start, oh God, life is so hard. You start to sing, to go to shout it. Hey, why? Because you are creating the lucky film. And you have all the gospel. Why? Because it protects you and protects. All the gospel without any religious characteristic. Just the soul calling out the creator of everything. Just l'âme qui appelle le créateur de tout. By singing. Après, il dit, qui colle Rayut, Talouy, Ba'even, Zé, Anim, Charmina, Makifim. Because all your life, toute notre vie, elle dépend de ces événements, de ces avalim-là, de ces vapeurs-là qui viennent. Des Makifim. All your life depends on this whispering coming from the Makifim, the surrounding light. Des Liotam, Zahé. So, because they are seven, parce qu'ils sont sept, 3 plus 4, 3 blue and 4 red. Chez M, Lamed Men Tselem, they are the Lamed Men of Tselem, c'est les deux dernières lettres du mot Tselem en hébreu, the two last letters of the word Tselem in Hebrew. Kenegdam, Zayin Levalim, be quiet. That's why you have 7 whispering in the book of Ecclesiastes. Baruch Adonai Olam. Amen ve'amen. Amen ve'amen. Toda, toda, hello. Juliette, Yom Tov, Yom Tov. Have a nice day.